Hello, mes projecteurs. Vous dormez pendant que c'est chaud dehors. Qu'est-ce que se passe? Sortez dehors et vous ancrez dedans me trouver. C'est très grave. Oh. Y a quoi, Anabo? Ça pète, ça brûle dehors. Hein? Vous ne comprenez pas ce qui se passe entre Mani Bella, Valsero et Chantal ici? Jamais de la vie. Mon frère, vous voulez bien comprendre ce qui s'est passé ou bien ce qui se passe entre les trois là? Oui. Bien, vous vous souvenez un moment où Valsero faisait les sorties comme ça contre les artistes qui soutenaient, bon, parce qu'ils chantaient pour le R, non? Voilà, la période de la Chantal ici avait calmé ses nerfs. Tout dernièrement donc, elle est allée sur un plateau de TV là. Elle a dit que Valsero tire le... Vraiment, c'est malheureux. Ça veut dire quoi? Vous savez du coup, le tas. Jamais. Vous comprenez un peu, non? Bon, c'est les problèmes politiques là-bas. Vous savez que nous, on n'entre pas nous dans les trucs. C'est entre eux les politiciens. Parlons donc de Valsero et de Mani Bella. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Mani Bella fait un post sur sa page où elle dit que les artistes camerounais ne soutiennent pas la culture, ne soutiennent pas... Bon, bref, les Camerounais, pas les artistes camerounais. Les Camerounais ne soutiennent pas leurs artistes. Parce qu'elle a sorti un nouveau son. En 3 jours, elle n'est qu'à 400 000 quelque chose de vues. Maintenant, Valsero vient à son tour dire que « Maman, tu te plains. Pourtant, c'est vous-même qui vous tuez la culture camerounaise. » L'autre internaute, c'est aussi derrière, dit que « Maman, tu es maintenant le maire ou bien tu es un artiste. Quand tu nous as tous conduits à te suivre comme maire, tu célèbres les mariages sur ta page. Tu veux qu'on te suive comme artiste comment ? » Entre temps, l'autre dit aussi que maman, n'est-ce pas, sans tes collaborations avec les Happy de Folan et tout le reste, machin, tu, qui devaient te connaître. C'est parce que tu as sorti un son sans featuring. C'est pour cette raison que ça n'a pas explosé. Mani Bella vient aussi à son tour récupérer Valsero. Elle dit donc quoi? Valsero, depuis que toi tu sors les sons là, dis-moi quel son tu as fait, ça a fait un boom. Elle a donné 3 dates. Depuis 2013, tu as sorti un son. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a même pas encore atteint les 4000 kilos que moi j'ai déjà en 3 jours. Toi, tu viens me bavader. Parce que Valsero lui a dit que si tout ce que tu vas dire ne peut pas porter, ne peut pas produire, en fait, ne peut pas donner un plus à la culture camerounaise, mieux tu gardes ton silence. Elle a dit que la personne qui doit garder le silence, c'est toi. Parce qu'il faut parler des artistes, tu n'es même pas un artiste. Si tu veux parler des monuments, des icônes, tu n'es pas un artiste. Parce que toi, tu n'es même pas populaire sur les réseaux sociaux. Valsero récupère à son tour et dit quoi? Valsero dit donc maintenant que ce n'est pas le fait d'avoir 1 million d'abonnés ou 1 million ou des millions de vues sur Facebook qui est synonyme que tu peux faire 1 million de personnes dans la salle ou que tu peux remplir une salle avec 1 million de personnes. Donc, Facebook, c'est Facebook, YouTube, c'est YouTube. Vous savez ce que ça veut dire? Jamais, 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 jamais. Vous savez que Valsero a fait un concert au Zénith où il a fait le plein. Maintenant, l'autre internaute sort derrière. Apparemment, c'est le fan de Mani Bella. Vous voyez, bon, récupère Valsero maintenant et dit à Valsero que sans Kamto, donc papa Kamto, non, le professeur Kamto, tu ne pouvais pas faire le plein du Zénith. Mon frère. Vous comprenez? Tu ne pouvais pas faire le plein du Zénith. Bon, comme tu as ton concert à Canet Olympia, là, fais le plein. Vous savez que Valsero a concert à Canet Olympia. Je crois que c'est Canet Olympia, je crois bien que c'est ça. C'est ça. Donc, si tu es un. Prouve-nous que tu es un grand artiste, tu fais le plein. Donc, Valsero, toi, tu comprends que. Mon frère, tu dois faire le plein là pour nous prouver que c'est papa. C'est papa Kamto qui avait fait ton plein. C'est un challenge là. Maintenant qu'on te lance, c'est mauvais. Ça là, c'est jalousie. Donc voilà donc ce qui se passe entre les deux artistes. Les gars, Mani Bella se plaint que, oh, tu bavardes que, machin, la culture camerounaise est montée. Les gars, ne nous soutiennent pas parce que s'il doit fermer, la personne qui doit fermer sa bouche, c'est toi. Valsero dit à son tour que si tu veux venir t'asseoir devant moi pour parler en tant qu'artiste, va juste faire le plein du carrousel. Hey! Vous connaissez le carrousel à Yaoundé? Vous ne connaissez pas le carrousel, mon frère, le cabaret. Donc, c'est-à-dire que Valsero réduit Mani Bella au niveau du cabaret. En vrai? Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Donc, Valsero dit que s'il veut parler du Zénith, franchement, c'est que c'est la bombe.
C'est le haut. Va juste remplir le carrousel. Le carrousel, c'est peut-être 300 places. Va juste remplir les 300 places et reviens me parler comme artiste. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Tchaï! Non, les artistes, je vous donne le respect. Non. Le challenge là, non, c'est le haut niveau. En passant, on sait jamais. Hein, Vassero, si tu arrives au pays, hein, même ceux qui sont déjà au pays là, si quelqu'un arrive au pays, il cherche un endroit là pour le repos, allez rapidement au complexe Las Vegas. Il y a les salles. Il y a les chambres VIP au complexe Las Vegas. 10 000 la nuitée, ça c'est VIP. Bon, les classiques, les mamans qui viennent souvent à Yaoundé faire les bayams, les gars qui partent de Douala pour Yaoundé pour faire leur business, tout ça là, vous cherchez un endroit un peu pour dormir, machin, allez au complexe Las Vegas. Il y a les nuitées de 5 000. Très moins cher. Le gars, en créant son complexe là, avait pensé qu'il pouvait avoir aussi les pauvres et les riches. Donc, au complexe Las Vegas, c'est pour tous les niveaux, c'est pour tout le monde. Relevez juste le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, là, vous appelez pour réserver vos, vos chambres. Ok. Bon, Vassero, nous on veut la paix, on ne veut pas la guerre. Les amis, c'était un nouveau concept. Le débriefing du JAPAP 237, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, abonnez-vous massivement. Maintenant, tout ce qui bouge, nous on est là, on tire. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.